Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo Sport et aujourd'hui on est à bord de la V12 Vantage GT3 à la quotidienne B, à la Daily B bien sûr, de Spielberg ou Red Bull Ring, comme vous voulez, mais en tout cas c'est la Daily B. Alors c'est pas les courses, ça reprend pas les courses qu'on a fait durant le live stream, pas du tout, c'est les courses que j'ai fait en amont pour me rapprocher encore plus, mesdames et messieurs, du A+, parce qu'on se rapproche énormément du A+, et aujourd'hui la question c'est: est-ce qu'il y a du fair play quand on joue face aux joueurs A+. Vous voyez, vous l'avez vu juste avant, dans le début de la vidéo, les personnes, les acteurs de cette course. Vous avez du A+, P1, P2, 2A, la P3 et la P4, moi-même. Ensuite, P5, P6, P7, P8, P9, c'est du A+. Je me dois bien évidemment de, on va dire, vous montrer les acteurs. Je ne le fais pas souvent, je le fais même jamais. Je le fais aujourd'hui tout simplement pour prouver que c'est du A+, parce qu'il y en aura toujours dans les commentaires qui me diront l'inverse. Début de course, P4, alors un classement assez bon avec la porte numéro 7, donc il faut aller vraiment essayer d'aller chercher le maximum de points. L'objectif étant bien sûr de passer le A+. On est P4, on arrive au premier virage et qu'est-ce qui va se passer? Le pilote hongrois va rater entre guillemets son virage pour venir percuter le pilote italien qui était P1. Terrible, terrible contact. Et bien évidemment ça commence très mal pour la réputation des A+. On va dire que c'est le genre d'erreur que même on a, pour ceux qui étaient là durant le live, on ne voyait pas, j'entends, c'était pas forcément des choses qu'on voyait. Maintenant, ça va continuer, vous allez voir, on va avoir pas mal de comportements assez catastrophiques tout le long de cette vidéo. Avec d'abord, bah voilà, ce pilote hongrois qui se rate, pilote A+ tout de même, quelqu'un qui, j'imagine, a quand même pas mal roulé le circuit, donc il connaît, ce qui est un peu dommage. Et cette vidéo vient bien évidemment en amont de ce qui s'est passé durant le live stream, puisqu'on a fait pas mal de courses face à DA, on a fait pas mal de courses face à DB, on a fait des courses face à DC, etc. On a fait des courses face à des A+, et ça a souvent été avec les A+, qu'il y avait le plus de problèmes. Et là, bah, on est là pour essayer de reconfirmer la chose. Est-ce que c'est possible, en fait, d'avoir de la course potable en A+, ou est-ce que c'est tout simplement un mythe de dire que c'est parce qu'on est A+, on va avoir de très belles courses et de très beaux lobbies? C'est la question du jour. Alors, cette vidéo ne suffira pas à répondre à cette question, bien sûr, mais on peut déjà se faire, j'imagine, je pense, une petite idée par rapport à ça. N'oubliez pas que nous sommes quand même à Spielberg, le circuit, l'autoroute de l'enfer, vous le savez tous, l'autoroute de l'enfer qui a tué 2-3 pilotes au fil du temps et qui, bien sûr, est propice aux incidents, aux RFP, aux vieilles pénalités, aux contacts, etc. On se retrouve tout de même en troisième position, assez bien placé, je dois dire, face à un pilote néerlandais et un pilote italien qui subit la pression. P1, pour ceux qui connaissent, ça va vous faire penser à quelque chose tout de même. Donc, d'ailleurs, français ou italien? Des fois, je sais pas. Des fois, il faut pas me demander, mais il me semble que c'est un pilote français. Des fois, mon ordinateur, au niveau des couleurs, il bégaye. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi des fois, mais je pense que c'est un pilote français. Côte à côte à l'entrée de ce gauche, fair play tout de même, ça touche un petit peu, mais c'est correct, ça laisse l'exté pour le pilote hongrois, c'est le plus important, l'exté qui est quand même, j'ai envie de dire, respecté par le pilote français. Ça vient se replacer derrière, belle bataille pour l'instant, une bataille relativement fair play face entre les deux pilotes et nous-mêmes, mais bon, nous on est un petit peu en retrait, je dois dire, on observe un peu cette bataille, on attend le contact. Ça se décale de nouveau pour le pilote hongrois à l'inté. Ça touche pour le pilote hongrois. Regardez, il sort quasiment le pilote italien ou français, le franco-italien, on va dire. Ici à l'épingle, de nouveau une touchette. Pas de pénalité, ce qui est assez incroyable. La pénalité était très très sévère ici à l'épingle pour la majorité des pilotes. Enfin, pour moi aussi, je trouve, ça a été très très sévère, notamment durant le live stream. Mais là, pas de péna pour le pilote hongrois. Voilà, polyphonie. On veut des explications. La bataille continue, on se rapproche de ces deux pilotes à deux tours, enfin un tour et demi de la fin de la course. On peut éventuellement aller jouer une gagne, ce qui est tout à fait incroyable, hein, dans un lobby quand même qui est assez fort, je dois dire. On s'est rarement retrouvé baigné comme ça entre les A+. Pilote néerlandais, enfin j'ai dit hongrois je pense, depuis le début de la vidéo, là c'est pareil. Je sais pas s'il est hongrois ou s'il est néerlandais, parce que j'arrive pas à dire si le drapeau est vert ou bleu en bas. C'est pour dire. Donc c'est soit il est néerlandais, soit il est hongrois. Ça, ce sera à vous de me dire. P1, P2, P3, bien évidemment. Début du quatrième tour. On est bien placé. On attend toujours la faute. Et puis on attend bien évidemment le contact, hein, entre le pilote hongrois et le pilote italien. Du coup, j'imagine que c'est hongrois-italien.
Ou c'est néerlandais-français. Ne me demandez pas. Je suis perdu. On a perdu beaucoup de temps ici, dans ce premier virage, malheureusement. Ça va retenter à l'épingle ici pour le pilote néerlandais, hongrois, qui va prendre l'inté, qui va réussir à doubler le pilote italien. Mais le pilote italien, je viens de voir que c'était italien, donc j'imagine que l'autre est hongrois. Le pilote italien qui va redécroiser avec la modeste Ferrari. C'est quand même incroyable de voir une Ferrari aussi bien placée, qui va tenter de nouveau l'inté face au pilote hongrois, qui va se ranger directement derrière pour essayer de nouveau redécroiser. C'est de la belle course, hein, franchement. C'est vraiment c'est du beau placement entre les deux pilotes. Et ça ne se touche pas trop, alors ça s'est quand même touché à l'épingle. Mais honnêtement, c'est tout à fait correct. Au niveau du comportement, enfin, les deux pilotes arrivent quand même à avoir une bataille que je définirais quand même d'assez intense. Sans forcément se sortir de la piste, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare en A et en B. Parfois, si la bataille dure deux virages, ça va, mais si la bataille dure sur toute la course, tu peux vraiment t'attendre à de gros incidents à un moment donné. Fin du quatrième tour, début du cinquième, attention derrière, parce que derrière on a de nouveau un Italien fou furieux qui va essayer de nous rattraper. Et là, ça va être très important parce qu'on va freiner très tard. Il va venir nous percuter derrière le pilote italien, malheureusement. Et bien évidemment, il va lui prendre une pénalité parce qu'il m'a touché. On va regarder derrière, voilà, il prend 2 secondes de pénalité, le pilote italien, pour avoir touché. Alors, déjà, j'ai freiné très tard. Donc, j'aurais pu freiner encore plus tôt, mais j'ai eu peur. Parce que j'ai ressenti le fait qu'il n'allait pas forcément freiner comme il faut. Je protège bien évidemment l'intérieur, il n'arrive pas à dépasser à l'exté. Il tente de décroiser, il spin. De toute façon, il a ses 2 secondes à prendre. Il se retrouve tout au fond, et le truc c'est que voilà, quand tu es dans le lobby A+, enfin donc le top 10 c'est A+, tu prends une fois une pena, tu finis dernier des A+, quoi. Ça c'est sûr et certain. P3 toujours, 1 seconde 6 désormais de la tête, c'est un peu dommage, hein, on a perdu vraiment le fil de la tête à cause de cette bataille avec l'Italien, mais ce qui va vraiment être intéressant pour cette course, enfin cette fin de course, ça va être on va dire ce qui se passe après la course. Vous savez qu'il y a toujours un peu le chat où on peut discuter, où on peut voilà donner nos ressentis par rapport à ce qui s'est passé, se dire au revoir, etc. C'est un truc qui se fait permanence, hein, sur Gran Turismo. T'as toujours un peu ce chat de fin de partie, de fin de course qui est disponible. Et le pilote italien va venir nous faire la menace du siècle. J'ai eu tellement peur, j'ai commencé à transpirer dans mon baquet, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est terrible, le pilote italien, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'il va venir chez moi me mettre un pistolet sur la tempe? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et vous allez le voir, on va tout simplement se retrouver dans le chat et il dit « Hope you reset soon ». Voilà, c'est un état d'esprit qui est fantastique. Ce genre l'élite en A+, et puis le reste c'est en bas, ça vaut rien, etc. Laissez l'élite tranquille, j'espère que vous allez vous faire reset. C'est vraiment une attitude, mais c'est déplorable comme attitude, mais bon. C'est ce que tu trouves aussi dans les plus hauts lobbies, c'est des joueurs avec vraiment une attitude répugnante et qui font ce genre de choses et puis qui tentent vraiment, on va dire, de t'attaquer personnellement. Et ça, honnêtement, ce n'est pas bien évidemment acceptable. Deuxième course, pilote italien et pilote néerlandais, je dirais hongrois de nouveau, donc je pense que c'est italien-hongrois de mémoire. De toute façon, comme j'ai dit, je ne peux pas voir la différence des couleurs entre le vert et le bleu. C'est pas que je suis daltonien, hein, mesdames et messieurs, c'est juste mon écran qui est un peu en PLS. Mais je me rappelle parce que je savais. Un truc important, c'est que je vais me retrouver entre deux Hongrois. Je sais pas si j'ai déjà oublié, mais je sais pas s'il y avait la présentation des joueurs au début de partie. C'est que du A+. Donc A+, A, moi A, A+, A+. Normalement. On est P4. On est P3. On va tenter de protéger notre position à l'inté, le pilote hongrois qui va se décaler à l'extérieur, on va réussir à protéger tranquillement notre inté. Derrière ça va venir toucher le pilote hongrois bien évidemment, le pilote espagnol qui va venir toucher, vraiment pas terrible de la part de l'espagnol, il avait clairement la place pour ne pas toucher. Devant, ça repart un peu à la bataille entre les deux, cette fois-ci entre une Lamborghini et l'Aston Martin. On va essayer de rester dans le coin au cas où, parce qu'on sait jamais, mais on va voir aussi au niveau de la bataille, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va réussir à avoir une bataille correcte? Est-ce qu'on va être fair play? Est-ce qu'il va y avoir du fair play en face? Bien évidemment, ça va être intéressant. Devant, attention,
à deux de front. À l'arrivée des deux derniers virages, le pilote hongrois qui va pas se gêner de pousser le pilote italien. Le pilote italien qui va réussir à garder la voiture sur la piste, étonnamment, et à ne pas prendre de péna, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ça va retenter de nouveau à l'inté pour le pilote hongrois. Nous, on est juste derrière en embuscade. On est là au cas où pour aller chercher une P2. Mais ça va vite. Ça va vite quand même. On va se faire percuter derrière par le pilote hongrois. Qui, bien évidemment, je ne pense pas. Je ne pense qu'il ne va pas prendre de pénalité. On se fait percuter. On perd déjà de nouveau un petit peu de temps. Donc, je me suis fait plus percuter au T1. Donc, au virage 1. Avec les A+. Qu'avec les A ou les B. C'est pour dire. C'est pour dire. P3 toujours. Belle défense tout de même de la part des deux de devant. Et puis belle défense aussi de ma part par rapport au pilote hongrois. On continue la course gentiment. Deuxième tour. Donc, une daily qui est assez rapide hein, tout de même. Je me sors un tout petit peu large ici. Arrivé de cette semi-épingle. Le virage préféré d'Albon. Hein, ça, de toute façon, on le sait tous. Enfin, je sais même pas si on le sait. Des fois, certains n'ont pas mes références F1. Mais en tout cas, c'est le virage préféré d'Alex Albon. Ça, c'est sûr. Ensuite, le double gauche ici qui amène sur les S. Et on n'est pas loin. On n'est pas si loin. Et je dois dire qu'on a quand même un rythme qui est tout à fait raisonnable. Puisqu'on est entouré de A+, et qu'on a ce rythme. Maintenant, l'important pour nous, ça va être, bien sûr, d'avoir ce rythme sur des circuits peut-être un petit peu plus techniques. Je pense notamment, alors si j'ai la possibilité de le faire à la manufactureur, mais voilà, maintenant il va falloir charbonner pour vraiment être au niveau sur la majorité des circuits pour pouvoir tout simplement vous proposer du contenu de qualité et surtout pouvoir rester à plus et monter à plus. Surtout monter à plus. Après, je suis peut-être un peu surconfiant. mais je sens que ça va arriver. Mais le karma, déjà je me suis fait avoir là. Là, je me suis fait avoir déjà par le karma. On verra comment ça va se passer à la prochaine vidéo ou au prochain live stream. Toujours P3. Défense un peu moyenne de ma part. Je freine un peu tard, très honnêtement. Du coup, je me retrouve trop lent dans l'épingle. Ça fait une sorte d'accordéon derrière, mais bon, sans grande gravité. Fin, milieu de ce tour 3. On est toujours relativement bien placé pour aller chercher ce podium et surtout pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher la P1. Parce que c'est quand même assez exceptionnel et qui casserait cette barrière psychologique qu'on a parfois. Malheureusement ici, je ne sais pas pourquoi le jeu a décidé de me faire bugger au niveau du vibreur. Peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris à chaque fois la même trage. Et là, pour le coup, bah, ça n'a pas marché. J'ai perdu la voiture à l'entrée du virage. Malheureusement, je perds une position tout de suite. Hein. Quand tu es dans ces lobbies et tu fais une petite faute, bah, c'est bon. Tu n'es pas obligé d'avoir le meilleur rythme, mais si tu fais une toute petite faute, tu perds une position ou deux. Ça, c'est sûr et certain. Il faut essayer d'aller la grappiller de nouveau. Et ça, c'est le truc. Ça se décale à droite pour protéger de l'aspiration, pour essayer de casser un peu l'aspiration. On garde tout de même fièrement cette quatrième position qui est déjà un très très bon résultat, hein, mesdames et messieurs. Il faut pas le nier, ça c'est déjà pouvoir être là où on est actuellement. Alors certes sur un circuit un peu plus simple que les autres, un peu moins technique, c'est déjà pas mal et c'est déjà beaucoup de travail. Parce qu'on a beaucoup beaucoup roulé sur ce circuit. J'ai réussi à faire un temps qualif en 1.28, ce que je n'ai pas réussi à faire en 4 heures lundi. Je suis arrivé ici et j'ai fait 3 minutes, très honnêtement, j'ai fait 3 minutes de qualif pour me chauffer, j'ai réussi à sortir en 1.28. Des fois, quand ça veut pas, il faut revenir le lendemain, ça ira mieux. On a réussi à mettre sur une 28, et maintenant, eh bien, on continue à se battre face à des A+. Des A+, qui sont relativement fair-play pour l'instant, qui ne sont pas choquants, du moins. Alors, il y a eu des grosses erreurs quand même, des grosses touchettes et des grosses peinards. C'est pas le plus beau gameplay, on va dire, en termes de fair-play. Mais on a connu pire. On a connu pire, déjà. Et c'est relativement similaire à ce qui se passe en A et en B. Par contre, je vous dis toujours, la troisième course est toujours un peu le bouquet final de la vidéo. Je garde toujours la meilleure vidéo pour la fin. Ça, c'est un peu normal. Et eh bien, vous n'allez pas être déçus. Je pense que vous n'allez pas être déçus, mais je ferai la pub de la troisième vidéo. Enfin, de la troisième course, pardon. Quand on sera à la troisième course. Ici, on se retrouve à la fin du quatrième tour, au début du cinquième, à devoir défendre désormais sur le pilote belge. Je vais défendre ici en protégeant mon XT. J'ai vu qu'il allait être un petit peu... Enfin, il allait être trop derrière, il allait pas réussir à me doubler. Du coup, je me suis remis un peu sur la trage
pour pas trop souffrir en sortie de virage, ce que j'ai réussi à bien faire, et du coup je lui donne l'opportunité de tenter le dépassement, mais que à la fin de la ligne droite, ce qui lui empêche d'être devant au moment du freinage, et ce qui me permet tout simplement de garder pour l'instant la position. Je laisse bien évidemment la place à l'excité pour le pilote belge. On ressort bien, on ressort mieux. Et puis bien sûr, maintenant on va longer la ligne à droite, hein. On va pas du tout laisser l'opportunité de venir nous attaquer à l'inté. Il reste sur l'excité. Je protège bien évidemment la position, ce que j'arrive à faire avec brio. Je garde la quatrième position, pas d'erreur, pas de faute. Surtout, on sait à quel point ça coûte. Et il faut aussi comprendre qu'une position vaut de l'or dans ces lobbies, bien évidemment. Un podium vaut de l'or et tu gagnes peut-être 300 ou 400 de RP en plus si tu finis 4e, enfin 3e, par rapport au fait de finir 4e. Imaginons que tu gagnes 700 en finissant 3e, en finissant 4e, tu as dû gagner 300 peut-être, ou 350. Donc ces positions valent évidemment de l'or, même si on est encore A et qu'on se bat face à DA+. C'est un petit peu comme ça que fonctionne le système. Dernier virage, grosse pression du pilote belge à l'arrivée des deux derniers virages. Je suis pas du tout à l'aise, pour être très honnête avec vous. Mais j'arrive à aller décrocher cette quatrième position. Et ce qui me permet bien évidemment de monter encore plus en RP. Et puis, pourquoi pas tenter de s'approcher encore plus du A+. Troisième course, A plus, donc deux, seulement que deux A plus dans ce lobby. Vous avez vu que le pilote hongrois aura été l'acteur également de cette vidéo, on l'a vu tout le long. Et là l'objectif bien sûr pour cette deuxième course, cette troisième course pardon, va être déjà de finir devant les A plus, mais surtout de garder le rythme avec la P1, parce qu'on a le rythme pour pouvoir rester avec lui. Et vu que lui n'aura pas d'aspi devant, pourquoi pas vers la fin de la course aller chercher la win. C'était mon état d'esprit. J'essaie toujours maintenant de regarder vers l'avant, c'est-à-dire toujours essayer de focaliser mes objectifs par rapport à ce qui se passe devant et pas vraiment par rapport à ce qui se passe derrière, parce que c'est là où je commence tout de suite à me faire un peu de pression, à mettre un peu la pression en me disant c'est différent de réfléchir, j'entends, en se disant ouais je veux finir sur le podium, donc tu te mets la pression par rapport à derrière, que de te dire j'ai envie d'aller gagner, j'ai envie d'aller chercher la P1, où tu te mets la pression par rapport à ce qui se passe devant et ceux qui sont derrière ne te font pas peur. Mais ceux qui sont derrière, mesdames et messieurs, ils auraient dû me faire peur. Ils auraient dû me faire peur parce que le pilote tchèque, il va arriver et me faire le dive bomb des familles, me passer devant, ne pas prendre de pénal. Et là déjà, je suis bouillant. Je suis bouillant. C'est scandaleux de la part d'un A+, de faire un truc pareil. Un A+, avec 99 de RFP. Moi, si je peux me permettre de faire ça, et ne pas prendre de pénal, mais j'aurai 99 de RFP toute ma vie. C'est comme ça. C'est facile, comme ça. C'est vraiment facile. Mais bien évidemment, il ne prend rien, ils le savent. Il faut bien évidemment le comprendre, ces gens le savent, ils ont l'expérience. Ils savent manipuler le système de pénalité du jeu. Ils comprennent comment il fonctionne et ils arrivent à l'utiliser à leur avantage. C'est un truc, on le dit tout le temps, on le dit en permanence. Il y a des systèmes pour profiter, il y a une façon de conduire pour profiter du système de pénalité. Il sait que s'il tape de côté dans l'épingle, il prendra jamais la pena, contrairement à s'il touche par derrière où il est sûr de prendre une pena. Donc il a fait exprès. Il a vu qu'il pouvait venir me taper à l'inté sur le côté et me sortir de la piste sans prendre de pena. Il l'a fait parce qu'il a essayé de profiter du système de pénalité du jeu. Ici, le karma de GT Sport va faire l'essentiel puisqu'il va se rater, bien évidemment, au vibreur, parce que le vibreur ça, parfois est glissant, et c'est là que vous avez vu qu'il a compris, parce qu'il savait que vous avez vu qu'il a pas pris de pénal, parce que c'est finement joué, parce qu'il est très fin, et il va me refaire de nouveau la même. Regardez-moi ça, honteux le pilote tchèque, va apprendre à rouler au lieu d'apprendre le manuel sur le système de pénalité, c'est honteux. Le mec, il savait pertinemment qu'il fallait freiner là pour ne pas prendre de pénal, donc le mec il sait tout au niveau des pénal, c'est un rat un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu celui qui arrive et qui comprend comment fonctionne le système de pénalité, comment prendre une pénalité, comment pas prendre une pénalité en faisant ci, en faisant ça. C'est une honte. C'est une honte et ça profite derrière du système de pénalité pour gagner ce qui est infect. Je dois dire ce qui est. Et c'est des choses qu'on voit souvent en A+. Pourquoi? Parce que c'est généralement les joueurs qui ont quand même une certaine connaissance, qui sont là depuis longtemps, qui comprennent vraiment les systèmes, qui regardent beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport à ça aussi, parce qu'il y a certains youtubeurs, créateurs de contenu,
qui s'amusent à faire ce genre de contenu pour pourrir totalement l'expérience du jeu, hein, il faut être honnête. Mais bon, c'est comme ça. Mais nous, on se retrouve P3. Et là, on est bien. Là, on est bien, mais par contre, on n'a pas d'aspi par rapport à devant. On a un fou furieux derrière, par contre, avec une Viper. Et on est qu'au début du troisième tour. Ce qui est terrible, parce qu'il nous reste encore deux tours à faire devant ce fou furieux. Maintenant, mon idée, c'est assez simple. Je sais que derrière, le seul avantage que j'ai par rapport à cet Italien, c'est peut-être un tout petit peu de rythme, mais c'est surtout une voiture plus performante en ligne droite. Et ce que je dois faire, c'est tout simplement, bon, pas faire ce que je viens de faire parce que j'ai raté mon épingle, mais c'est, on va dire, essayer de faire en sorte de sacrifier mon entrée de virage pour mieux ressortir en sortie de virage, pour avoir plus de vitesse. Ça, c'est un concept, j'entends, que je mentionne souvent sur la chaîne. Pour défendre, des fois, il est intéressant de freiner un petit peu plus tôt pour arriver plus lentement en entrée de virage, pour ensuite soigner une trajectoire, pour derrière avoir une trajectoire qui t'offre plus de motricité, qui t'offre un meilleur angle pour pouvoir appuyer plus tôt sur l'accélérateur et ainsi pouvoir réaccélérer plus tôt et ne pas laisser l'opportunité à ton adversaire de te doubler dans les points de freinage. Surtout avec la Viper, puisqu'on avait testé la BOP de la Viper, on avait roulé la Viper sur ce circuit très rapidement. Et j'avais défini qu'il fallait freiner un petit peu plus tôt de toute façon avec la Viper comparé à l'Aston. Alors peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que je dis n'importe quoi, et peut-être que la Viper freine encore plus tard que l'Aston, mais c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Peut-être que j'ai eu un état d'esprit erroné, mais peut-être que c'est du fait d'avoir eu un état d'esprit erroné que j'ai réussi à réfléchir ainsi. Et comme ça, gagner du temps et tenter de garder ma position. Au moins, j'ai tenté de réfléchir à quelque chose. Et c'est ça, des fois, qui est important quand on est, entre guillemets, sous pression et qu'il y a quelqu'un qui veut nous doubler. C'est qu'on a vite tendance à se focaliser sur la personne de derrière, de tout le temps regarder derrière, voir ce qu'il fait, prendre la pression, commencer à ressentir la pression. Tandis que si tu fais, entre guillemets, comme j'ai fait, où tu réfléchis un peu à une stratégie, où tu réfléchis à comment tu peux défendre, tu oublies un peu cet état de pression, on va dire, tu te focalises un peu moins sur ce qu'il fait en tant que tel, tu regardes pas tout le temps derrière juste pour voir où il est, tu regardes derrière pour analyser un peu ce qu'il fait, c'est tout de suite différent au niveau de ce qui se passe dans la tête, et du coup on emmagasine un peu moins de pression, et on a moins tendance à faire bien évidemment des fautes. Fin de ce quatrième tour, début du cinquième, on prend 4 dixièmes d'avance sur le pilote italien, ce qui est très bon, ce qui va nous permettre gentiment de commencer ce dernier cinquième tour, on va dire assez relâché, j'ai envie de dire, et pourquoi pas aller de nouveau chercher un podium, ce qui va nous donner énormément de points, et ça va être très important bien évidemment pour le RP. Fin du cinquième tour, je vous laisse bien évidemment regarder la course en amont, je prends juste une minute. C'est important pour moi. Donc après, certains vont dire que c'est un peu lèche, mais personnellement je trouve que c'est important pour moi. Je me dois de remercier tout le monde pour tous ceux qui étaient là durant les live streams, mais durant cette semaine un petit peu, j'imagine, difficile, enfin, du moins pour moi, mais je pense que pour la majorité d'entre vous aussi, difficile d'avoir été présent, d'avoir, entre guillemets, renforcer la communauté, d'avoir vraiment partagé ensemble durant les live streams, d'avoir discuté ensemble, d'avoir créé, je sais pas, peut-être des liens, j'en sais rien, mais enfin, moi, essayer d'avoir créé quelque chose entre vous, mais entre nous aussi. Et je me dois bien évidemment de tous vous remercier d'avoir été présents, d'avoir liké les lives, d'avoir été présents durant bien évidemment ces lives. Merci bien évidemment aux nouveaux membres, je crois qu'on est 6 ou 7. 8 même maintenant de membres, ce qui est faramineux pour une chaîne avec si peu d'abonnés. On fait des chiffres de chaîne de 10 000 abonnés sur celle-ci, ce qui est absolument incroyable. Merci pour tout l'engouement que vous avez pour la chaîne, merci pour tous les compliments, merci à tous les rageux aussi, parce que bon, vous faites partie du jeu, c'est normal. Et bah voilà, tout simplement remercier tout le monde. Fin de cette course, podium encore une fois, double podium pour cette course, ce qui est assez sympa. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker avant de partir, et nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao.